Salut, c'est Manon pour Move. Je suis actuellement devant le Grand Palais à Paris où vient de commencer une exposition sur le roi de la pop, Michael Jackson. Alors j'ai rendez-vous avec Isabelle Petitjean qui est musicologue et experte en Michael. Du coup, on va aller voir l'expo ensemble. Michael Jackson, il faut le savoir, était quelqu'un qui était féru de beaux-arts, qui était très cultivé, qui était grand lecteur, qui avait une culture même historique, y compris sur la France, assez encyclopédique. Et c'est en même temps une icône, presque une figure mythologique, un héros presque des temps modernes. Et son image était tellement à la fois reconnaissable entre toutes et en même temps une partie de nous-mêmes, puisqu'on s'identifie toujours aux artistes qu'on aime bien, que c'est quelqu'un qui a su inspirer vraiment et de son vivant et encore aujourd'hui. C'est vrai qu'ici, nous avons un panel d'œuvres très varié, mais il faut savoir qu'il y a une sélection drastique qui s'est faite parce qu'en réalité, il y a bien plus d'œuvres qui sont faites régulièrement et qui continuent d'être faites autour de la figure de Michael Jackson. Et finalement, ce que l'on récolte aujourd'hui, ce sont toutes les images, toutes les traces qu'il a semées. Ces trois micros représentent Michael Jackson, Michael Jordan et Mike Tyson, donc trois grandes figures afro-américaines qui ont réussi, qui ont connu le succès. Le fait est que ces trois micros sont un peu hauts par rapport à la taille réelle. Donc elles posent la question de la possibilité de ressembler, d'acquérir un tel niveau social, un tel niveau de réussite pour des afro-américains. Ça montre comment des artistes peuvent ne pas représenter Michael Jackson, mais se fonder sur lui pour poser des questions sur la société en fait. Tu es connecté sur Move.